tout le monde, j'ai pas snappé depuis ce matin. Parce qu'en fait, si vous voulez, je me suis réveillée à 6h du mat. On est parti chercher Imen à l'aéroport parce qu'elle a atterri à 6h. Et du coup, bah, j'ai dormi, il était 2h. Donc du coup, je suis rentrée. Je me suis dit au début, on va faire une journée et tout. Mais je suis tombée KO technique en espérant que demain, franchement, on va se faire une bête de journée. J'espère on va aller à Zaïa-Nouraï. Comme ça, en même temps, je vais filmer des nouveaux épisodes. Je vais pas vous mentir que déjà sur le premier épisode, j'essaye de vous faire des épisodes de 35 minutes. Donc en fait, ça fait télé-réalité en même temps docu, documentaire, puisque vous allez apprendre plein de choses sur beaucoup de choses. Mais voilà, vraiment, j'essaye de faire un truc propre. Ça prend énormément de temps. Donc du coup, je dors un peu moins. Je suis trop contente, en même temps je suis en régime, du coup j'ai perdu là en même pas l'espace de 2 jours, j'ai perdu 2 kilos donc je suis hyper contente. Donc toujours de régime, là je vais je pense aller au sport. Meilleur pote pour aller faire du sport, ça fait même pas, je suis tellement contente de reprendre le sport, c'est juste incroyable. Les amis, direction la salle de sport, c'est mais il fait bon. Là, le vent, il tape, mais genre, c'est doux. Trop bizarre. Je dirais une ville fantôme. Je trouve ça trop bizarre, l'ambiance. J'espère qu'à ma salle de sport, il n'y a pas trop de monde. Donc là, je suis à 40 minutes. Allez, 40 minutes. Allez. Regardez. Je suis en nage. Sur la balance. Oui, parce qu'il y a la clim. Après, vous rirez. Voilà, je vous ai mis un petit code promo. Si vous... Après, dès que je me mets à faire du sport, bah, je revois tous mes efforts revenir vraiment très très vite. À votre peau, vous tracez et tout. Parce qu'il faut savoir que si vous travaillez le muscle, vous allez prendre en poids de muscle, mais vous allez perdre en graisse. Donc, voir la fille normale. Comme je vous disais, ce qui est normal, c'est de porter des vitamines. Après, pour les régimes beaucoup plus draconiens, bah forcément, ça ne correspond pas à tout le monde. C'est être beaucoup trop. Vous avez beaucoup de carences qui ne sont pas très bonnes, perte de cheveux, ceci, cela. Donc, faites bien les choses. Vous pouvez maigrir, mais tout crescendo. Sans vous frustrer, sans vous enlever les vitamines.